Ça y est les amis, vous l'avez vu avec cette intro qu'on a voulu rendre un peu originale parce que bah voilà, on a déballé le produit de mes rêves. Ça fait je pense une dizaine d'années maintenant que j'attends d'avoir un produit comme ça en ma possession. Et c'est le cas aujourd'hui. Je suis trop heureux, je suis trop excité. C'est pour ça qu'on a voulu se mettre dans un mood un peu particulier pour cet unboxing. Dans cette vidéo, on va vraiment le déballer, voir ensemble. Parce que une bête comme ça, on pouvait d'abord que faire un déballage pour vous le présenter sur la chaîne. Mais on verra dans de prochaines vidéos. Déjà, je vais le booster un petit peu. Et aussi, on verra à quoi il va me servir. Comment je l'ai intégré dans mon workflow. Et puis tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, ça y est, j'ai un Mac Pro en ma possession. Oh, j'ai trop hâte, mais on va le laisser là dans un premier temps parce qu'il y a des accessoires autour, donc on va commencer par les accessoires. Je vois ici qu'on a un petit clavier, bien évidemment c'est un Mac Pro, donc comme les versions Pro des Mac, on va retrouver un clavier qui est en gris sidéral. Il est incroyable, putain il est incroyable. C'est la première fois que j'ai un Magic Keyboard entre les mains. Avec une petite prise Lightning sur le haut. De l'autre côté, on va retrouver tout ce qui est câblage. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Du coup, on va avoir une prise USB-C vers Lightning. Un câble tressé. Ça fait bizarre de voir ça chez Apple d'ailleurs. Genre, c'est un truc qu'on voit jamais. Et ici, on va avoir la Magic Mouse qui est noire. Elle est incroyable. Bon, j'ai une petite confession à vous faire d'ailleurs. Parce que je vous parle souvent des produits Logitech sur la chaîne. Mais il y a un moment où je me retrouve toujours confronté à retourner sur la Magic Mouse. Me demandez pas pourquoi. J'ai un sentiment de proximité avec cette souris. Je sais qu'il faut pas que je le fasse parce qu'en vrai c'est juste pour le swipe. Si vous avez une Magic Mouse, vous savez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore finalement l'utiliser. J'ai toujours deux souris avec moi, mais en noir comme ça. Elle rend vraiment bien. Bon, je crois qu'on a déjà fini. Avec les accessoires sur le côté, on va maintenant pouvoir sortir la bête, le nouveau Mac Pro, les amis. Oh putain, il est lourd. Il est tellement lourd. Alors, on va avoir des trucs en dessous. Un peu de suspense jusqu'à la fin. Les petites notices d'utilisation. J'espère qu'on a des pommes d'Apple. Oh, elle est énorme. On est sur une version pro, je vous l'ai dit. Hein. Donc, que du gris sidéral. En tout cas, on va aussi avoir le manuel d'utilisation. On a même comment recycler la boîte. Voilà, petit truc cool, parce que ouais, il arrive dans un carton, vous l'avez vu, juste énorme. Et on a du coup les petites notices d'utilisation. Et ici, on va avoir le câble d'alimentation. Et pareil, on a un câble tressé. Bah d'ailleurs, c'est un peu le même câble qu'on avait sur le HomePod, enfin qu'on a sur le HomePod. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, je crois que c'est tout pour la boîte. Elle est quand même énorme, hein, vous l'avez vu au début. Oh là là. Il est tellement lourd, genre vraiment, je sais pas il pèse combien mais il est super lourd. Je suis trop content d'avoir ça, ça fait maintenant, ça fait combien de temps que j'en parle du Mac Pro? Bah, je sens qu'à l'époque t'en avais parlé avec le Mac Pro mais le cylindre, déjà à l'époque... Ah oui, déjà à l'époque ça me faisait rêver d'avoir le trash can comme ils disent aux États-Unis. Et Apple du coup il y a de ça quelques mois a annoncé ce nouveau Mac Pro. Qui a été très controversé parce que c'est un appareil qui peut monter en le configurant chez Apple jusqu'à 60 000 €, un truc comme ça. Et je me suis dit dans un premier temps, ça me servait pas dans mon quotidien parce que je bossais tout seul. Parce que d'un autre côté, j'avais une machine qui tenait le coup. Et au fur et à mesure des mois qui passent, je me suis rendu compte que je commençais à atteindre les limites de mon MacBook Pro. Que vous connaissez, hein, j'en ai parlé sur la chaîne d'ailleurs. Surtout que j'utilise Premiere Pro notamment pour mes montages. Et Adobe Premiere Pro et le MacBook Pro, ça fait pas bon ménage. Je sais ce que vous allez dire, il faut que je passe sur Final Cut, mais ça sera éventuellement la deuxième étape. La première, c'était de m'équiper avec une machine qui me fait rêver parce que le Mac Pro, c'est un ordinateur qui est chez Apple. J'adore leur écosystème, j'en fais partie, j'ai énormément de produits à eux, mais surtout, macOS, c'est vraiment un système d'exploitation que j'adore utiliser. Et il me fallait du coup une tour que je vais pouvoir modifier. Parce que le Mac Pro, l'idée c'est qu'on va pouvoir tout moduler. Donc ce soit avec la carte graphique, ce soit la mémoire, absolument tout ce qu'on veut. Si jamais dans 2 ans ou dans 5 ans la carte graphique ou la RAM ne me satisfait plus, et ben je vais pouvoir le modifier, j'aurai pas besoin de changer de machine. Et ça offre une flexibilité incroyable. Bon, ça fait énormément de blabla, il est maintenant temps quand même de lui enlever sa petite couche. Parce qu'on veut le voir, moi ça fait maintenant 4 jours qu'il attend en bas de mes escaliers. Je vous ai fait d'ailleurs plusieurs stories là-dessus, parce que j'avais plein de trucs à faire. Mais ça y est, le moment est venu.
Waouh, ça fait tellement bizarre de le voir à la maison. Les amis, je vous présente la rate à fromage. Le nouveau Mac Pro d'Apple. Ça fait tellement bizarre de le voir en vrai. Parce que oui, bon, tu le vois en Apple Store, quand je suis allé à San Francisco, j'ai pu le voir en vrai. Mais l'avoir chez moi, et je sais que c'est moi qui l'ai payé, et je vais pouvoir l'utiliser demain. Enfin, demain, tout à l'heure. Mais c'est incroyable. On va faire le truc que tout le monde fait quand ils achètent un nouveau Mac Pro, à savoir lever le capot. J'ai l'impression d'avoir un bijou de technologie, enfin c'est un bijou de technologie. J'ai vraiment pas envie de l'abîmer, mais c'est... Qu'on soit Apple fanboy ou pas, on peut qu'apprécier le design qu'a réussi à faire Apple dans un ordinateur. Et ce que je trouve incroyable, c'est toutes les petites technologies qui en vrai rajoutent beaucoup au prix du Mac Pro, en termes de R&D, des choses comme ça, qui sont pas indispensables, mais qui donnent un tout au Mac, et ça rend bah, juste cette machine incroyable en fait. Parce que bien évidemment, ce qui fait monter le prix du Mac Pro, ça va être bah, tout ce qu'on va pouvoir rajouter à l'intérieur, mais c'est aussi du coup toute la R&D dont je viens de vous parler. Mais bien évidemment, on parlera bien plus en détail de tout ça dans une prochaine vidéo. Moi, ce que je voulais vraiment faire dans un premier temps, c'est vous partager cet unboxing, mon avis là-dessus, parce que je crois qu'en France, on n'a pas d'unboxing de ce Mac Pro. Donc voilà, il fallait que je vous le montre. Et surtout, bah voilà, pour moi, c'est vraiment un accomplissement énorme dans, entre guillemets, ma carrière de YouTuber en tant que, bah voilà, enfin, dans mon métier. Et c'est un truc qui me servira tous les jours. Overkill, bien évidemment, pour l'instant. Mais c'est une machine qui, bah, j'ai investi de l'argent dedans pour qu'il me tienne 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et bien plus encore. Donc voilà, je suis très content d'avoir fait ça avec vous. On va pouvoir lui remettre son truc. Rien que ça, c'est incroyable à faire. En vrai, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais esthétiquement parlant, je le trouve magnifique. Voilà les amis, pour mon déballage du nouveau Mac Pro d'Apple, je suis encore une fois très content. Vous l'avez vu sur ma tête depuis le début de la vidéo, c'est vraiment un achat qui représente énormément pour moi, et on en parlera bien sûr dans une prochaine vidéo, un peu déjà tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais aussi pourquoi j'ai fait cet achat-là. Comment je vais pouvoir le booster éventuellement, vous donner des conseils, des choses comme ça. Mais je suis très content encore une fois, n'hésitez pas à vous manifester directement en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je sais que pour certains d'entre vous, cet achat peut sembler très extrême, mais en vrai ce n'est pas le cas, pour ce que je fais en tout cas dans mon métier. Et je vous expliquerai tout ça bien plus en détail dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous voulez pas la louper, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche du coup. Sur ce les amis, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!